enfin, nous voici maintenant au Botswana. Oui, sain et sauf. Malgré le drôle de bruit que faisait le réacteur pendant tout le vol. Amon, t'es pas arrivé le premier à ce que je vois, c'est Andy qui est devant. On n'est pas venu là pour faire la course, mais plutôt pour visiter et admirer la beauté de ce beau pays. Je ne comprends pas, si on fait du rallye, donc il faudra bien faire la course? Non. Non, pas de course. Andy a raison. Il faudra faire très attention, car nous allons rencontrer beaucoup d'animaux sauvages ici. Clarkson, on parle de félins et non pas de voitures de la marque Jaguar. Pourquoi? Les félins ont des noms de voitures maintenant? Nous venons de traverser la frontière de l'Afrique du Sud, fatigués, nous montons notre campement. Oh, ce n'est pas possible, tous les animaux de l'Afrique m'en veulent. Ou quoi? Après plusieurs heures de route, nous arrivons sur le littoral de l'Afrique du Sud. Et le paysage est magnifique. Alors Amond, quelle mouche t'a piqué dans la nuit, cette fois-ci? Une hyène. C'est quand même mieux que de se faire piquer par des insectes dangereux. Le paysage est à couper le souffle, voire magnifique. Dommage que j'ai devant moi une voiture de couleur marron qui me gâche la vue. Tu parles du Range Rover d'Andy? Non, de ta 914. Le Range lui est de couleur crème, pas marron. Est horrible. Après avoir traversé des magnifiques paysages, rencontré des animaux sauvages sur plusieurs kilomètres, nous trouvons un endroit rocheux, voire montagneux, pour installer notre campement. Amond, pourquoi t'as mis ta tente sur le toit de ta 911? Oui. Comme ça les animaux ne viendront pas me réveiller cette fois-ci. Ils ne monteront pas sur le toit, et puis je vais enfin dormir tranquille. T'es sûr?